le premier cycle universitaire est notre honte. Je le dis fermement. Vous connaissez une entreprise qui vivrait avec 70% de casse de sa production? Il y a belle lurette qu'elle aurait fermé boutique. Nous, nous survivons depuis 50 ans avec des taux d'échec en première année de l'université qui flirtent avec les 70%. Et tout le monde doit trouver cela normal. Régulation. Et au plus on leur livre un nombre de bacheliers important, au plus ces taux s'effritent. On avait un intervenant qui était très lucide sur l'état de la situation de l'enseignement secondaire et supérieur en France et qui a pu, avec son engagement, nous donner finalement à la fois son point de vue, mais aussi celui des politiques aujourd'hui qui sont menées pour régler un certain nombre de problèmes, de problématiques qui sont identifiées. Le sentiment, tout ce qu'on a les uns et les autres sur les salons, les forums, les parcelles d'émotions qu'on a, effectivement, là on a pu tout réunir et se dire oui, effectivement, on a une direction. Et en tout cas, on a entendu, non pas seulement un refrain, mais les couplets en entier. Moi, je rêve d'une société où les gens avancent par étapes. Je me forme, j'acquiers une qualification professionnelle, je vais vers le marché de l'emploi et en fonction d'un projet de carrière, je reviens vers les études ensuite. Et je continue de progresser.